Bonsoir les amis, bonsoir les voyageurs, mais qu'est-ce que je suis heureux d'être avec vous ce soir. Bon, moi je suis plutôt un homme heureux au sens assez large, mais effectivement quand j'ai l'immense plaisir de recevoir l'invité que vous allez découvrir à l'écran dans quelques instants, eh bien ma joie est encore décuplée. Merci infiniment d'être là, vous êtes en train de vous connecter, je sais qu'il va y avoir beaucoup de monde ce soir, tant la communauté de Natacha et elle lui est fidèle, et puis ici aussi, hein, je sais qu'il va y avoir des voyageurs. Natacha ne sait pas encore forcément, mais les voyageurs, c'est le nom que je donne à la communauté sur YouTube, des voyageurs spirituels. En tout cas, je suis infiniment heureux d'être là, j'ai grande hâte d'accueillir cet invité prestigieuse, qui est Natacha Calestrémé. J'ai amené un certain nombre de livres et en off, je lui disais qu'il serait bien de ralentir un peu le rythme parce que j'ai du mal à tous les emmener maintenant. Et puis, une autre partie de moi dit, Natacha, s'il vous plaît, allez-y parce qu'on se régale. Sans plus attendre, je vous propose d'applaudir comme ça avec vos petites mains, Natacha Calestrémé. Bonsoir, Natacha. Bonsoir Frédéric, ravi d'être là aussi. Quelle belle entrée en matière. Ça se voit peut-être pas, mais je rougis. En général, je mets un petit peu plus le paquet, mais j'ai aussi appris à être un peu plus modéré parce que Oui, mon optimiste. émotion est souvent très intense et débordante et ça prend beaucoup de place. En tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation, Natacha. Avec grand plaisir, Frédéric, je suis ravie de vous retrouver ainsi que votre communauté et ma communauté qui est là aussi et à tous ceux que je connais pas, un grand bonsoir et à tous les autres aussi, bien sûr. Merci infiniment. Je précise que sur le chat, bien évidemment, qui va être à votre disposition, vous allez pouvoir interagir. Je demande toute votre indulgence parce que vous êtes très nombreux et ça va aller très vite. Et évidemment, je passe à côté de beaucoup de choses. Et puis, derrière le chat, je remercie Séverine qui est aux commandes et qui va modérer aussi, puisque de temps à autre, eh bien, il y a aussi deux, trois petits personnages furtifs qui viennent s'immiscer dans nos conversations et qui n'ont rien à y faire. Natacha, encore une fois, merci infiniment. J'ai pour habitude de poser cette première question. Plutôt que de vous demander ce que vous faites dans la vie, on a une petite idée, mais plutôt que de répondre par je suis journaliste, je suis écrit et enfin autrice, etc., qu'est-ce que vous faites vraiment dans la vie? En ce moment, j'écris. J'écris, 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 j'écris. Et puis de temps en temps, j'écris et j'écris. Voilà. Non, j'écris. J'ai la chance d'être dans le Lot, dans un endroit qui est très calme, où j'ai que pour voisine des vaches et des lapins. Et c'est formidable parce que ça me permet de faire des bonnes petites promenades, voilà, de me détendre. Et donc, je coupe les moments où j'écris par ces moments de détente, même si en tant que journaliste et réalisatrice, j'ai beaucoup voyagé à travers le monde. Vous parliez tout à l'heure de voyageurs et ça me manque terriblement. J'espère que je serai amenée dans les mois prochains à voyager un peu plus. Merci d'avoir répondu à cette question, mais du coup, je vais la creuser un peu parce que je ne vais pas me satisfaire de ça. Je suis gourmand. Alors, à quoi ça sert cette histoire? Tous ces livres, je vais les présenter bien évidemment, mais enfin, je suis sûr que nos communautés, bien sûr, et d'ailleurs, j'aime l'idée qu'elles se croisent ce soir, je trouve ça très beau. À quoi ça sert tous ces livres en fait? Qu'est-ce que ça vient nourrir peut-être chez vous? Et à quoi ils servent pour tous ceux qui vous lisent? Voilà, quel est le moteur de tout ça? Alors, à quoi ils servent pour les autres? Ça, je peux pas peut-être pas répondre pour les autres, mais en tout cas, moi, j'ai toujours du plus loin que je m'en souvienne, cherché à me lever le matin en me disant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire qui pourra aider mon prochain? C'est vraiment quelque chose qui m'a toujours animée quand j'étais petite. Pendant la récré, je vendais des chocolatines, parce que c'est comme ça qu'on disait dans le sud-ouest, voilà, pour l'UNESCO. J'ai toujours souhaité aider, partager ce qui m'avait aidé, être utile. J'ai besoin de me sentir utile. Et écrire pour écrire.
Et vous avez bien fait de me poser la question, parce que c'est vrai que c'était un peu léger ma réponse, hein, j'admets. Écrire pour écrire, ça n'a pas de sens pour moi. Vous le savez, j'écris des romans. Écrire une histoire, un roman policier sans même. En s'arrêtant là, ça n'a pas de sens pour moi. J'ai vraiment besoin de me dire que, à travers ce que je partage, il y a quelque chose à l'intérieur des personnes qui va résonner et peut-être qu'elle va découvrir des choses sur elle-même. Alors, ça paraît très prétentieux, mais en fait, c'est bien parce que j'ai galéré un max et que j'ai vécu comme tout le monde un certain nombre d'épreuves que je suis peut-être à même aujourd'hui de les partager. Si je n'avais pas vécu ces épreuves, peut-être que je continuerais à partager des notions différentes. Au début de ma vie, j'étais plutôt sur tout ce qui touchait à l'environnement et ensuite à la santé. Mais ça ne me touchait pas partie, enfin, ça me touchait pas, ça me touchait bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que ça concernait pas ma vie privée. Mais par contre, je partageais, voilà, les histoires de personnalités qui sauvaient des baleines, les orang-outans, les dauphins. Voilà. Donc, je voulais aider cette planète. Et puis, depuis qu'il m'est arrivé un certain nombre d'épreuves, j'ai cherché à partager dans la clé de votre énergie et d'en trouver ma place, les techniques qui m'avaient permis de me relever, d'aller mieux, de me sentir bien, de me sentir à ma place et de vivre dans la sérénité. Voilà. Alors, ces ouvrages, je vais peut-être. J'ai un bon point ou pas là pour la réponse? Franchement, on est pas mal. Ouais, bon, je pense que je peux mieux faire. Ok, d'accord. Alors, pour la petite histoire, la clé de votre énergie, c'est amusant de voir tous ces Ah, petits. c'est bien, j'adore. Oh. Alors, c'est ma petite femme qui l'utilise même beaucoup plus que moi parce qu'elle travaille avec en soins énergétiques. Et donc, ça reprend, bah, vous l'imaginez bien, chacun des protocoles. Et ce sont deux best-sellers. Hein. Il n'y a pas tellement, enfin pas tant d'auteurs comme ça français quand même qui arrivent à écrire ces deux best-sellers-là. Enfin, franchement, moi en tant que qu'auteur modeste auteur, je trouve ça extrêmement inspirant. Et puis parce qu'encore une fois, c'est pas si fréquent que ça. Donc ça rencontre le public. Oui, alors c'est ce qui me touche beaucoup, c'est finalement de me dire que chaque fois que ça a peut-être pu aider une personne, elle l'a partagé autour d'elle. J'ai des gens qui m'ont dit, je l'ai offert à mes enfants, je l'ai offert à ma meilleure amie. J'ai offert à mon mari, il n'a pas encore ouvert. Tiens, il y a une dame qui m'a écrit hier en me disant, enfin, c'est plus une jeune femme, je pense, enfin, elle n'indique pas son âge. Elle me dit, je me suis acheté, trouvé ma place, et puis je ne l'ai pas ouvert. Par contre, j'ai commencé à regarder toutes vos vidéos, ça a commencé à travailler en moi, et mon père vient de m'offrir trouver ma place. Elle me dit, j'étais tellement choquée, impressionnée qu'il soit ouvert finalement à ces techniques transgénérationnelles, ces techniques de récupération d'énergie. Elle m'a dit, j'ai pas osé lui dire que je l'avais déjà. Donc, je vais offrir le mien à une amie. Elle me dit, mais j'étais tellement heureuse de qu'il m'offre ce livre. Elle me dit, du coup, j'ai commencé à le lire. Donc, c'est génial. C'est magnifique de pouvoir sentir qu'on fait le lien aussi comme ça dans les familles, Oui. y compris peut-être parfois aussi sur des générations dont on imaginait qu'elles n'étaient pas du tout sensibles à ça, mais en fait, peut-être Complètement. juste pas l'exprimer ou c'était peut-être pas autorisé dans la famille. Enfin, c'est Oui, beau, hein? et puis souvent, par rapport à l'exemple que je viens de prendre, souvent c'est l'inverse. Souvent, ce sont des personnes qui l'offrent à leur mère d'ailleurs. Très souvent, ce sont des femmes qui l'offrent, voilà, à une tante. C'est rare que ce soit dans l'autre sens. Donc, j'étais assez surprise. J'ai trouvé l'idée géniale. Salut. Mais j'ai montré ces petits post-it et ce livre, Natacha, surtout pour vous demander. D'ailleurs, j'arrête pas de dire vous, mais est-ce que vous auriez convenance à ce que nous passions à quelque chose d'un petit peu moins consensuel? Est-ce que le tutoiement sera Allez, accepté? allons-y pour le tutoiement, avec plaisir. Merci beaucoup. On est un peu entre nous ce soir et j'avoue que j'ai Oui, du mal à parler de vous depuis tout à l'heure. Ça vibre comme ça à l'intérieur de moi.
Merci Natacha. Et donc, te demander si tu avais cette conscience, certainement, qu'il y avait beaucoup de thérapeutes aussi, beaucoup de praticiens qui suivaient ton travail, hein, et qui utilisaient ton travail au quotidien. Alors, j'en ai beaucoup qui me le disent, et d'ailleurs, il y en a énormément qui ont l'honnêteté, l'éthique de me poser la question. J'utilise vos protocoles. Est-ce que j'ai le droit? Je trouve ça exceptionnel, mais tu n'imagines pas combien de personnes m'envoient ce message-là. Et je leur réponds, bien sûr que vous pouvez les utiliser, bien évidemment. Ce qui est important, c'est de rendre à César ce qui est à César. Donc, je leur dis, citez quand même le livre, mais ne dites pas que je vous ai formé, parce que, hélas, j'ai pas encore eu le trouver le temps de proposer de nouveaux ateliers, mais j'espère qu'en 2023, j'aurai vraiment l'occasion de le faire parce que après l'écriture de ce livre qui n'était pas prévu, bon, voilà, ne pas revendiquer une formation ce serait faux. Mais par contre, voilà, de préciser que ce sont des protocoles du livre et se les accaparer, se les prendre, bien évidemment, bien sûr, bien sûr. Et c'est peut-être ça qui fait vibrer aussi, hein, et qui donne du sens à pourquoi on se lève le matin, c'est de sentir que ça diffuse, quoi. Enfin, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau, de savoir que Oui, ça diffuse. et puis ce que je trouve merveilleux, c'est finalement de se dire que des personnes ont testé les protocoles sur elles et sur eux. Ça a marché, c'est important de le faire pour soi-même. Et puis ils se sont lancés, ils l'ont proposé à une personne et puis ils ont pris confiance. Moi, j'ai des personnes qui me disent, la première fois que je l'ai proposé, j'ai des psychothérapeutes. Psychologues qui me disent, je l'ai essayé, je l'ai testé à une personne, je savais qu'elle était un peu ouverte. On a fait un premier protocole, voilà, c'est une personne qui vivait de l'emprise. Je lui ai proposé de faire le protocole 6 avec son compagnon et elle est repartie de la séance. Je me rappelle ça, psychothérapeute, psychologue de Paris. Et elle me dit, elle est repartie de la séance en me disant, c'est une des séances qui m'a le plus libérée. Et donc c'est formidable parce qu'après ben, le thérapeute en question, les hypnothérapeutes d'ailleurs, puisque tu en fais partie, ont des facilités pour se les accaparer ces protocoles parce que il y a quelque chose de très proche de l'auto-hypnose. C'est ça. Et alors, du coup, ça m'appelle une question. Je t'avais prévenu, hein, les questions. Moi, je ne suis pas intervieweur, je ne suis pas journaliste, donc ça vient en fonction de ce qui est Oui, là, de ce que c'est je lis parfait. aussi dans le chat. Alors, attends, je prends le temps parce que du coup, j'ai 12 000 questions qui arrivent en même temps. C'est un petit problème, ça, chez moi. C'est horrible. Arrêtez! C'est comment tu fais? Parce que j'essaie de me projeter un petit peu. Pour sentir que c'est un peu ce qu'ils ont comme truc, parce qu'à la fois, j'entends cette part de journalisme et de recherche aussi, parce que tu fais beaucoup de recherches, hein, tu es Particulièrement, une vraie particulièrement laborieuse. en ce moment, je suis en plein vraiment dans la recherche C'est ça. médicale, scientifique, parfois dure. Oui. Alors, tu me vois peut-être venir avec cette question, du coup, parce Non. qu'il y a à la fois cette norme, toujours pas, même moi, je sais pas trop où je vais, attends, on va y aller. Tranquillement ensemble. Comment tu fais en fait pour pas franchir, est-ce que c'est un choix d'ailleurs de pas franchir cet espace de la thérapie justement? Alors, parce que C'est-à-dire, docteur. tes livres ils sont profondément thérapeutiques. D'ailleurs, tu appelles ça notamment les polars, c'est des polars guérisseurs. À quel endroit toi tu te définis au fond comme je suis écrivaine, mais au fond tu es aussi thérapeute à travers ces ouvrages-là? Est-ce que ça pose une difficulté comme ça, ou d'incarnation, ou enfin bon, t'as compris ma question, quoi. Je suis pas sûre, mais écoute, je vais tenter de te répondre et puis sinon, bah, j'espère que j'aurai une Vais tenter deuxième de clarifier un peu à peu. chance. En quoi tu te dirais pas aujourd'hui, bah moi je suis thérapeute, quoi, je propose des ouvrages en tant que psychopraticienne, par Alors, exemple. je me considère comme thérapeute puisque Ok. je propose des consultations. Alors, c'est vrai que je ne prends plus personne de nouveau, je le dis, je le redis. Je ne suis qu'en suivi, hélas. J'ai un temps qui n'est pas extensible. Donc, je consulte et j'ai fait pratiquement 300 consultations depuis le confinement. Mais je prends plus personne parce que je n'ai plus le temps. Et voilà, donc je me considère comme thérapeute, en effet.
Professeur. Après, par rapport au livre, Oui. tu vois, mon grand-père et les gens qui me suivent me connaissent le savent. Mon grand-père, un de mes grands-pères était guérisseur. Et c'est vrai que à un moment donné, je me suis demandé, est-ce que j'aurais quelque chose de cet ordre-là? Pas du tout. Alors, je vais dire, je l'ai eu pendant 6 mois. Étrangement, pendant 6 mois, il y a des choses qui se sont passées où je ne me l'explique pas. Bon, dans le village où j'étais, les gens venaient me voir et me solliciter. Puis au bout de 6 mois, ça s'est arrêté et terminé. Bon, je pense que cela n'est venu simplement pour me dire qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là qui était en moi, mais ce n'est pas ma voix du tout. Mon côté guérisseur, si on peut dire, et encore le terme n'est pas bon parce que je guéris rien, ce sont les gens qui guérissent. C'est que je dirais que ma contribution est là par les mots. Ma seule contribution, ce sont les mots, et qu'en tant que journaliste, dans mes réalisation de films au début, mes écrits journalistiques après et encore aujourd'hui, je continue. Et puis à travers les livres, j'essaie de transmettre quelque chose qui aura un écho chez les gens et peut-être leur permettra de décoder quelque chose sur eux, de comprendre quelque chose Tu vois, c'est marrant parce qu'il y a des personnes qui me disent, j'ai lu vos livres, je n'ai pas encore commencé à faire les protocoles, il y a déjà des choses qui se mettent en place. Ou à travers les romans, tu vois, où il y a simplement 2 protocoles par roman, je les ai glissés à travers l'intrigue. Et certaines personnes, simplement en s'identifiant au personnage principal, tu les as lus ou pas? Ouais, bah ils sont là, hein, je veux te dire, ils sont. Oui, Est-ce qu'il je y a des trouve. choses en toi, tu vois, c'est moi qui te pose des questions. Est-ce qu'il y a des choses en toi qui tout d'un coup tu as le droit de me répondre non, hein, qui ont fait sens ou tout d'un coup tu t'es dit, tiens, ça, je ne l'avais pas vu comme ça. Surtout sur les blessures du silence. D'accord. Fondamentalement, en plus, ce livre-là, je l'ai acheté à la suite d'une de nos rencontres dans une conférence et j'étais touché de savoir aussi qu'il était très révélateur d'un pan de ton histoire. Donc, si tu veux, c'est un livre qui m'a beaucoup touché et que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup préconisé dans mes consultations. Et tu l'as dit très, très étonnamment, oui, non, parce qu'en fait, dès l'achat de ce livre, il y a déjà un processus qui s'était engagé, quoi. Alors, il y a le travail thérapeutique, mais c'est ce que tu dis. Comme si, effectivement, dans l'invisible, ça venait clarifier quelque chose. Et je sais, hein, parce que moi, j'ai eu beaucoup de retours sur cet ouvrage de mes consultants. Tu as été un pilier fondamental dans leur travail de guérison. En tout cas, moi, je préfère le mot transformation. Oui. Ouais. Mais tu vois, est-ce que ça, il y a plusieurs psychologues psychothérapeutes qui m'avaient fait ce retour par rapport aux blessures du silence justement, et qui m'avaient dit, on a des résistances en séance qui sont parce que c'est très difficile, par exemple, quand on vit la manipulation, l'emprise depuis 2 ans, 6 ans, 18 ans, de se dire, waouh, je me suis trompée pendant tout ce temps-là. C'est très dur. Bon. Et donc, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui freine. Et c'est humain. Et c'est normal. Bon. Et elles m'ont dit, il y a des résistances qu'on a en séance qui se lèvent à travers votre roman parce que on s'identifie au héros, mais en même temps, ce n'est pas nous. Et oui, c'est une des techniques d'hypnose qu'on utilise fort bien. C'est mon ami John, tu sais. C'est de l'indirect pur. On est dans de l'induction indirecte et l'identification très projective sur les personnages. Et comme tu écris très bien et que tu es maligne, on ne doit pas venir. Et c'est profondément hypnotique.
au sens très noble du terme, hein, avec de l'identification au personnage. Et pour moi, en effet, c'est un des romans qui est profondément guérisseur. Alors les autres, je suis moins, c'est pas que je suis moins sensible aux problématiques, tu vois, en tant que sensibilité personnelle, mais ils ont exactement le même, la même qualité et d'aller choper effectivement le lecteur dans la problématique sans qu'il le voie trop venir. Tu es très forte, une bonne hypno, hein. Mais du coup, c'est vrai que ça répond totalement à la question biscornue que je t'avais posée, dans le sens où, au fond, à travers aussi cette expérience de 6 mois là, où tu as eu des capacités, je vais te demander, prépare-toi s'il en reste quand même d'autres capacités. Eh bien, ça t'a montré aussi quand même, j'ai le sentiment, que ta voix, ta voix se posait dans ces ouvrages-là, en fait. C'est peut-être ton chemin de vie, qui s'est clarifié à travers toutes ces expériences. Complètement, c'est exactement ça, ça s'est clarifié, c'est exactement le terme. J'aime C'est-à-dire, bien ce mot-là. ouais, c'est-à-dire, oui, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que je me demandais un petit peu dans quelle direction aller, ce qui devait émerger, et cette partie-là ne doit pas s'exprimer en moi aujourd'hui ni demain, c'est vraiment à travers les mots et point final, et c'est déjà pas si mal. Voilà. Et ça me convient très bien, j'ai pas besoin de plus, c'est très bien. Alors, on parlait tout à l'heure des lecteurs. Est-ce que tu connais un peu ton avatar, ton lecteur avatar? Qui te lit? On a parlé un peu, je ne te demande pas des statistiques, mais tu rencontres aussi beaucoup de monde, hein. Le jour où j'aurai autant de monde que toi dans mes séances de dédicace, des fois je fais bon sang, les Je gens te ils sont souhaite. dehors, c'est un truc de fou. Je te le souhaite vraiment. Ouais, je te le souhaite vraiment. Et qui vient, Écoute, qui te lit en fait? au tout départ, au tout début, la fille qui ne sait pas parler, au tout début, c'était, on va dire, 85% de femmes âgées de 35 à 92 ans. J'avais, voilà. Aujourd'hui, les livres ont tellement été offerts, proposés aux enfants, que mon lectorat s'est énormément rajeuni et que j'ai en dédicace un très grand nombre de jeunes, des hommes aussi, des jeunes hommes, des hommes. Et c'est impressionnant, c'est-à-dire 21, 22, 23. J'ai un très très grand nombre de jeunes et qui sont qui me suivent, qui sont bienveillants, qui sont là. C'est extrêmement réjouissant dans les conférences d'avoir cette jeunesse qui est là. C'est assez récent, ça a 1 an. Et qu'est-ce que ça vient toucher chez toi, ça? Parce qu'on te voit, enfin, moi je te vois à l'écran, ça a l'air de te réjouir. Ah oui, ça me réjouit vraiment. Ça me réjouit vraiment parce que moi, ce réveil sur le moyen de chercher à me guérir de mes blessures du passé, de ma petite enfance et de mes blessures héritées de ma famille, puisqu'on va dire que mon travail, il est vraiment axé sur l'aspect à la fois de la petite enfance et du transgénérationnel, eh bien, je l'ai entamé alors que j'avais déjà quelques heures de vol. Quand je vois des jeunes de 21, 22, 23 ans qui commencent déjà ce travail, je me dis, mais c'est merveilleux, ça me donne un espoir fou. Je me dis, mais ils vont pouvoir probablement guérir certaines épreuves avant d'en vivre d'autres et peut-être leur vie sera plus simple. Bien sûr qu'ils vont vivre d'autres épreuves parce qu'on est tous là pour les dépasser, que ça va pas tout annuler, comme moi, ça n'annule pas tout, mais il y a quand même des choses qui se simplifient, et c'est merveilleux. J'étais au téléphone ce matin avec une jeune chercheuse qui habite en Italie. D'après ce que j'ai compris, elle a la trentaine, et elle est chercheuse, elle est professeure, en fait. Elle mène des recherches, elle n'est pas juste chercheure, elle est professeure de recherche, et comment dire, et elle m'expliquait qu'elle avait découvert mon livre au moment où son père est mort.
Son père meurt. Le lendemain, elle est dans une librairie. Elle tombe sur la clé de votre énergie. Elle le prend. Elle repart en Italie. Elle le lit. Et il y a quelque chose à l'intérieur d'elle qui s'allume. Et elle fait des protocoles. Elle comprend certaines choses. Et elle comprend notamment que certaines épreuves qu'elle a vécues, notamment des épreuves de santé, sont en lien avec des secrets. Et elle interroge sa mère et elle lui dit, mais maman, c'est qu'est-ce que c'est des secrets? Elle avait des douleurs au niveau, voilà, bon, je ne peux pas rentrer dans le détail, bon, bref. Et sa mère lui dit, j'ai vécu telle épreuve, voilà, des attouchements, j'ai vécu telle chose, etc. Bon. Et donc, il y a tout un pan de l'histoire familiale qui s'est ouvert devant elle et qu'elle a pu régler. Et elle m'a dit, mais les choses ont vraiment avancé. Donc, c'est fantastique quand on a 35 ans et qu'on vit ça. Et en plus, elle est chercheuse. Donc, on est en train de voir si on pourrait pas mener une étude clinique ensemble autour des protocoles pour faire avancer la science et rassurer les cartésiens qui ont envie d'être rassurés de manière légitime. Et c'est magnifique. C'est magnifique, c'est plein d'espoir. D'ailleurs, j'étais en train de chercher dans tes ouvrages, parce que les titres, j'ai du mal parfois à les associer aux histoires, sur celui qui traite particulièrement du travail transgénérationnel. C'est les Et racines du sang. merci, bah oui, c'est logique, cela dit. Hop. Merci, oui, c'est tout à fait logique. Et effectivement, le poids des secrets qu'on retrouve dans un tas d'expériences. Moi, j'utilise le génosociogramme pour travailler sur le transgénérationnel. Et ça se sent, ça se voit comme le nez au milieu de la figure quand tu as un secret. Même si on ne connaît pas ce secret, il apparaît dans le génosociogramme. On le traite en tant que tel. L'idée, ce n'est pas forcément de faire péter les secrets de famille, parce que parfois ça brise des familles entières, mais de quelle manière on peut venir soulager l'empreinte et restituer à l'autre ce qui lui appartient. C'est exactement ce que tu traites et ce que tu dis fort bien dans Les Racines du Sang, hein. Tu travailles aussi en transgénérationnel de ce fait. Oui, mais alors c'est une grille de lecture, hein, bien évidemment. On Oui. ne peut pas définir une épreuve ou un problème de santé uniquement par l'aspect transgénérationnel. Ce serait stupide dans la mesure où l'être humain est tellement complexe, les causes, qu'elles soient des épreuves ou de santé, sont tellement multifactorielles qu'il faut surtout éviter l'écueil de résumer ces épreuves-là en disant ça vient de telle cause. Ça, on ne peut pas. Par contre, eh bien, c'est une hypothèse de lecture, et en tout cas, c'est la mienne, de chercher si on vit une épreuve difficile, à la fois comment je la vis. Bon, à la limite, on peut proposer même un exercice à ceux qui nous écoutaient, d'accord ou pas? Ah bah avec grande joie. Allez. Alors, ce que je vous propose, c'est vous prenez un petit papier, un petit stylo, et puis vous allez noter quelque chose que vous souhaiteriez améliorer. Ça peut être j'aimerais gagner plus d'argent, ça pourrait être j'aimerais trouver du travail, ça peut être j'ai envie de cesser d'être inquiet pour un tel, ça peut être j'ai envie de me réconcilier avec ma sœur, ça peut être je veux envie de voir plus mes enfants, peu importe. On note, j'ai envie de trouver le lieu de mon un lieu de vie extraordinaire. On note quelque chose qu'on aimerait améliorer. Une fois qu'on a fait ça, alors on le note, on n'écrit pas un bouquin, on le note, et puis je vais vous inviter à fermer les yeux. À fermer les yeux et je vais citer 10 blessures, 10 manières, 10 émotions qui seraient la manière dont vous pourriez vivre finalement le fait de ne pas arriver à cet objectif. Alors vous fermez les yeux, je vais les dire lentement, et si vous n'avez pas assez de temps, ben vous regarderez la vidéo de Frédéric. Est-ce que le fait de ne pas arriver à faire ce que vous avez noté, vous le vivez comme une injustice, comme une trahison, comme un rejet? Est-ce que vous le vivez plutôt comme un abandon? Ou est-ce que vous le vivez comme une humiliation?
Est-ce que vous le vivez avec de la colère? Est-ce que vous vivez plutôt comme une peur? Comme de la tristesse, de la culpabilité ou de l'impuissance? Il y en a 10. Donc on en note 2 ou 3. Et imaginons, je ne sais pas moi, colère, peur. On pourrait prendre une troisième, ce serait quoi, Frédéric? Culpabilité, Impuissance, si tu l'as noté, culpabilité. culpabilité, c'est assez. Culpabilité. Alors, très bien. Colère, peur, culpabilité. Parfait. Eh bien, on va maintenant noter le prénom de notre mère. Et puis, on va se poser la question, tiens, par rapport à ce que j'ai noté, est-ce que ma mère a vécu la même chose? Imaginons, j'aimerais très bien gagner ma vie. Est-ce que ma mère gagnait très bien sa vie? Ben non, la pauvre, elle a toujours voulu avoir un peu plus d'argent. Donc, on souligne. Et puis, on va se demander, par rapport à ces trois blessures qu'on a notées, est-ce que ma mère a vécu, bah, dans les exemples qu'on a donnés, de la colère, de la peur ou de la culpabilité? Quel que soit le domaine, on a pu vivre, nous, de la culpabilité vis-à-vis d'un enfant, et elle a peut-être vécu de la culpabilité par rapport à sa mère. De la colère vis-à-vis de son père, alors que nous, la colère, on l'a vis-à-vis de notre patron. On se fiche du domaine. On note les événements et on note à côté protocole 6 plus. Et donc, il faudra faire le protocole 6 plus. Alors, si on a trouvé ma place, on fait le protocole 6 plus. Si on a la clé de votre énergie, c'est le protocole 6 plus le protocole 8. En fait, dans trouver ma place, j'ai synthétisé deux protocoles en un. Et on va faire ce protocole avec notre mère en disant les choses dont on veut se libérer. Ensuite, on note le prénom de notre père et on va se poser exactement la même question. Est-ce que mon père a vécu quelque chose que je veux améliorer? Est-ce qu'il a vécu les blessures? Et on va faire la même chose avec nos grands-parents, éventuellement avec nos grands-parents. Et on mène l'enquête si on n'a pas des informations. Et ça, en prenant le temps, en faisant les choses, en laissant du temps, c'est-à-dire on va faire une séance de 1, 2, 3 protocoles, on laisse 15 jours, 3 semaines, et ensuite on continue pour que ça prenne le temps d'infuser en nous. Si on en fait trop, eh ben on va être fatigué, on ne va pas y arriver, il faut vraiment laisser notre corps le temps que ça infuse à l'intérieur. C'est ultra important. Voilà. Donc ce petit exercice, eh bien, tu vois, je le donne souvent en conférence. La plupart du temps, je ne sais pas si les gens l'exprimeront. Là sur le chat, mais il y a beaucoup de gens qui disent waouh, je viens de réaliser que je vis de l'injustice et que ma mère en a vécu. Waouh, je viens de réaliser que je suis pas heureuse en amour et ma mère, c'est vrai qu'elle n'était pas heureuse en amour. Waouh, je viens de réaliser que je suis pas à ma place au niveau de mon boulot et mon père ne faisait pas le boulot qu'il veut rêver, etc., etc. Eh oui, avec les petits post-it, vous allez voir, c'est vachement plus facile. C'est une grande évidence. Merci Natacha pour ce super partage. Tandis que je vais demander à mes modérateurs de virer ces petits messages qui sont en train de passer et nous pourrir la vie. Ça réagit hein, vraiment sur le chat avec des sentiments ouais, d'injustice, de tristesse, d'humiliation. On est vraiment aussi en filigrane hein, sur tout le travail, bien sûr, des blessures fondamentales, des mécanismes de défense qui se mettent aussi à l'œuvre pour lutter contre ces blessures. Et justement, je trouve que ce travail sur la clé d'énergie est une magnifique voie de contournement parce que on laisse faire, en fait. Il y a quelqu'un qui disait, mais si on ne connaît pas ses parents. Moi, j'ai appris en formation un travail sur génosociogramme par un formateur qui est né sous X et qui a fait son génosociogramme. Donc, en fait, on n'a pas l'information consciemment, mais on l'a d'une autre manière. Et on peut tout à fait travailler ça sans connaître complètement l'identité de ses parents. Tu as peut-être des Oui, repères. et puis pour les personnes par exemple qui sont adoptées, eh ben, il C'est faut ça. faire exactement ce travail-là avec les parents adoptifs. Enfin, on dit avec les parents adoptifs, mais on dit les parents qui ont adopté, ouais. Comment on dit? Bah, c'est ça. Oui, adoptif, oui. Ah. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on a montré que c'est très, très étrange. Il y a des modifications de l'expression du génome
en épigénétique. Et on l'a constaté même chez les enfants qui ont été adoptés, comme si on appartenait à une famille d'âmes. C'est très troublant. Oui, c'est troublant, j'ai vu ça. Donc, on le fait avec les parents. Enfin, je vais même dire mieux, c'est ce que j'explique dans Trouver ma place, on le fait avec la figure parentale. Si on a été élevé par les voisins ou la grand-mère, eh bien, on le fait avec la grand-mère ou les Bien voisins. sûr. Voilà. Si, voilà. Donc, on n'a pas besoin de le faire exactement avec les parents. C'est avec les parents, avec les personnes qui nous ont élevés. Voilà. Et j'ai vu passer tout à l'heure un message d'une dame qui disait que ça l'avait beaucoup aidée par rapport aux relations qu'elle avait avec ses parents, mais qu'il restait des petites quelque chose et qu'elle allait le refaire. Et ça, c'est formidable. Ce n'est pas des baguettes magiques, il y a des choses qui vont se faire et puis qu'on peut refaire. Moi, je dis souvent ça, c'est pour ça que j'aime bien le parallèle que tu fais et que je fais aussi avec tout le travail dans des champs modifiés de la conscience. Et ça se joue à d'autres niveaux que les niveaux logiques. Alors, on a toujours, enfin, il y a beaucoup de gens et la nature humaine est faite ainsi. Puis en plus, il ne faut pas oublier qu'on est en France, c'est qu'il y a besoin de mettre de l'analyse, c'est infect parce que de toute façon, ça se joue à un autre niveau. Donc j'entends et je lis avec beaucoup de passion les questions qui défilent. Soyez dans la confiance que ça se joue ailleurs que dans les niveaux logiques. Et puis, il y a une chose aujourd'hui, c'est que sur le plan, moi je comprends les personnes qui sont très cartésiennes, je m'estime cartésienne aussi, et qui ont besoin de se rassurer, c'est un besoin complètement légitime, mais aujourd'hui le défaut, ce serait de mettre tout à l'aune de la science et de se dire qu'on peut évaluer des techniques qui sont émotionnelles. Avec j'allais dire des protocoles, mais avec des techniques randomisées qui sont adaptées aux médicaments et qui ne sont pas adaptées, ne serait-ce qu'à la psychiatrie, à la psychologie. Aujourd'hui, on ne peut pas utiliser les mêmes techniques d'évaluation pour des choses transpersonnelles. Que celles qui sont utilisées par un médicament. Ce n'est pas logique ne serait-ce que d'imaginer qu'on peut faire la même chose. Et en plus, ce qui est très étonnant, parce que ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je suis en train de travailler aujourd'hui, c'est que si on regarde bien, un médicament aujourd'hui, il est, comment dire, validé à partir du moment où on l'a comparé a un effet placebo. Et un effet placebo, qu'est-ce que c'est? C'est une substance vide, ou une substance, mais en tout cas pas vide de sens, puisque cela correspond aux croyances du patient et du médecin que ce médicament vide qu'il imagine être un vrai médicament va le guérir. Et lorsqu'on est dans un état de croyance, qu'une pratique ou qu'un médicament va nous faire du bien, il y a ce qu'on appelle donc cet effet placebo qui fait que dans 30% des cas à minima, ça peut aller jusqu'à 70% dans le cas de dépression, eh bien, ce qu'on pense qui va nous faire du bien va nous faire du bien parfois mieux qu'un médicament. Tout ça, je l'invente pas, ça a été mis en avant par de très très nombreuses études. Et à tel point qu'aujourd'hui, le médicament est un nouveau médicament est validé sur le marché du médicament par rapport à justement ces études de randomisées d'après effet placebo. Et un effet placebo, finalement, c'est un effet magique puisque c'est un état de croyance. Voilà. Donc, finalement, on ne peut pas aller au-delà de dire que le médicament est validé d'après un état de croyance. Et que la psychologie et toutes ces techniques un petit peu spirituelles ne peuvent pas être validées par elles-mêmes. Je ne sais pas si c'est super clair.
Si, c'est clair. Et en plus, ça me faisait penser au. J'en parlais cet après-midi en milieu hospitalier. C'est rigolo que tu reparles de ça ce soir. Et parce que même, hein, à commencer par le personnel infirmier, etc., sont dans cette hypothèse. Et Émile Coué l'avait très, très bien montré. De toute façon, les travaux d'Émile Coué, c'est pour moi, c'était magnifique à quel point, de toute façon, les résultats, avec suggestion. Et un médicament était à 60%, je crois que c'était à peu près ça, effectivement, les pourcentages, aussi efficace qu'un placebo avec suggestion. Parce que lui, il donnait un médicament et puis il disait à ses patients, bon, vous allez vous répéter cette phrase-là mentalement en prenant la substance. On avait exactement les mêmes résultats. Et y a Thierry Janssen qui me racontait une histoire et qui me disait que quand il était en médecin en hôpital, ils avaient mené une étude où finalement on voyait des personnes, il y avait un groupe, deux groupes de personnes qui avaient des douleurs au genou, inflammation au genou. Et non, pas inflammation, mais quelque chose lié au ligament. Bon. Et donc, il y a le groupe A qui se fait opérer par les ligaments, et le groupe B, qui est le groupe témoin à qui on ne fait rien. Et par contre, on leur a fait une entaille chirurgicale pour leur faire croire qu'ils avaient été opérés. D'accord? Donc là, on est dans l'effet dans le placebo. On fait l'entaille pour leur faire croire qu'ils ont été, mais on leur a rien fait. Et les résultats thérapeutiques des deux groupes étaient identiques. Ça, c'est quand même dingue. C'est troublant. Ah ouais, c'est troublant. Alors, je vois que ça réagit un petit peu dans le chat. Forcément, quand on tient des propos de cette nature-là, ça peut faire un petit peu réagir. On n'est pas non plus en train de dire que tout est placebo ou qu'il n'y a aucune Oh. problématique pathologique. C'est pas le sujet. C'est vraiment de constater les études qui sont menées et de poser le fait que c'est quand même troublant. Et toi, tu es une vraie chercheuse, hein, c'est ce que j'admire beaucoup. Non, je ne me considère pas comme chercheuse, mais disons que j'aime bien m'appuyer sur la science et donner la parole, Ouais. voilà, à la science. Et on l'a dit, je le répète, il n'est pas question d'annuler les effets de la science, de la médecine conventionnelle, qui est indispensable et qui sauve des vies, C'est ça. disons-le clairement. Que ce soit en urgence, que ce soit pour le diabète, que ce soit pour quantité de maladies comme les angines, pas virales, mais les autres, bactériennes. Et donc, on n'est pas en train de critiquer la maladie. Hein, pourquoi est-ce qu'on prendrait parti? On n'est pas en train de critiquer, je dirais, la médecine conventionnelle. On ne prend pas parti. On parle juste de toutes les médecines qui existent. Et c'est ça qui est intéressant. Pourquoi cliver? Et pourquoi ne pas rassembler? Et je pense que toi comme moi, nous sommes dans un état, dans une envie en fait de rassembler. Et moi, j'invite à ceux qui nous écoutent à plutôt rassembler les choses plutôt que les cliver. En tout cas, je m'inscris dans cette démarche aussi. Alors, c'est sûr que quand on, c'est un parti pris, mais moi, j'estime qu'aujourd'hui, à presque 50 piges, j'ai compris ou intégré que ça faisait partie de ma mission de vie. C'est pas, on va dire, la plus commode ou la plus simple, parce que forcément, on se prend aussi de temps à autre quelques gifles énergétiques, mais moi qui me pose aucun problème, je suis assez costaud là-dessus. Et on va continuer, je vois exactement, rassemblons, c'est un joli mot. J'avais une question autour de ça, et puis elle est partie, cette coquine. Elle va revenir un petit peu plus tard, c'est pas très grave. J'avais envie de te poser la question aussi, parce que on en a parlé un petit peu avant l'émission, mais j'aimerais avoir ton sentiment. On va sortir un petit peu de tes ouvrages, mais on va y revenir. Ton sentiment sur ce qui est en train de se passer un peu dans le monde. Alors, je suis pas là, on n'est pas là pour faire de la géopolitique. En plus, je crois que j'en serais bien incapable. Et je me demande si je porte un intérêt très fort à cela, néanmoins. Ce qui m'intéresse, c'est surtout, tout ce qui est en relation avec cette montée, je ne sais pas si, tu partages ce sentiment, très fort, de l'intérêt justement pour toutes ces choses, avec des gens qui, depuis 3 ans, se connectent et se branchent d'une manière, spectaculaire. Moi, j'aime beaucoup les travaux de Luc Baudin et je remesure derrière, parce que j'ai du mal à croire parfois à ces chiffres, que la vibration de la Terre a complètement explosé et puis elle se réeffondre un petit peu, mais on est encore dans une opportunité incroyable de développement.
Est-ce que dans ton fort intérieur, c'est quelque chose que tu ressens, que tu vis, que tu partages autour de toi? Voilà, dis-nous un peu quel est ton sentiment par rapport à ce qui se passe en ce moment. Alors, c'est vrai que, enfin, moi, en termes de, on va dire, vibration et tout ça, j'ai pas de ressenti particulier. Je ne mesure rien du tout et c'est pas un domaine, on va dire, que j'explore, peut-être à tort, mais je ne vais pas dans ces considérations-là. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est assez difficile pour moi de m'exprimer sur quelque chose que je ne connais pas, donc je ne vais pas y aller. Par contre, je peux répondre finalement à quelque chose, c'est que aujourd'hui, alors là, ce sont des études qui ont été menées par l'OMS, 65% des Français et même on peut dire des Européens sont, enfin, utilisent, pratiquent ces techniques complémentaires, alternatives, qu'on va plutôt appeler non conventionnelles. Et 78% les recommandent et sont convaincus qu'elles sont dignes d'intérêt. Donc, en cela, je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à ça et que finalement, les personnes qui vont continuer à les critiquer vont devenir marginales. Ça, j'en suis convaincue. Je ne sais plus trop qui a dit, il y a à chaque révolution une première étape qui est que finalement les choses sont considérées comme ridicules, puis finalement elles sont vilipendées, on les attaque pour au final les accepter comme quelque chose d'évident. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans cette phase finalement un petit peu d'attaque parce qu'on est pratiquement arrivé à l'état où on va les accepter. Et finalement, les personnes qui vont réfuter cette façon de voir les choses vont se retrouver en marge. J'ai aucun doute là-dessus parce que trop de personnes y voient l'intérêt et peut-être que tout simplement les personnes qui ne se sont pas encore intéressées à ces choses-là, et je ne juge pas chaque chose en son temps, moi il y a peut-être 15 ans, j'aurais peut-être... voilà, enfin, donc je ne juge pas. Mais tout ça pour dire que il faut très souvent avoir été impacté par la vie, par les épreuves, pour être forcé de se pencher sur ces choses-là. Et je n'ai aucun doute sur le fait que l'ensemble des personnes, ou en tout cas la très grande majorité des gens qui sont là à nous écouter ce soir, ont vécu de très importantes épreuves, qu'elles soient sur le plan de la santé ou qu'elles soient sur le plan de l'épreuve de vie, un deuil, la perte d'un enfant, la perte d'un parent, d'un compagnon ou d'une compagne, une maladie grave, une maladie qui nous met dans la capacité d'avancer. Ou qui nous plonge dans une douleur chronique, ou la dépression, ou le burn-out. Donc, ces épreuves-là, ce sont des baffes dans la tête. Et quand on arrive à avoir suffisamment d'énergie pour essayer de finalement réussir à sortir de notre gang, pour pas dire un autre mot qui serait plus vilain, pour commencer à se dire, mais j'ai quelque chose à comprendre de cette épreuve, j'ai quelque chose que je peux réparer. Si ça m'est arrivé, c'est à ma portée. Il y a quelque chose en moi qui demande à se réveiller, qui demande à pousser autrement. Il y a quelque chose à l'intérieur de mon ventre qui est beau, qui est lumineux. Et cette lumière-là, elle a complètement été étouffée par un quotidien, par une vie qui n'était pas adéquate. Et maintenant que j'ai sombré, cette lumière à l'intérieur de moi, elle demande de s'épanouir, d'éclairer et d'illuminer, de venir à l'intérieur de mon corps, d'augmenter et peut-être d'éclairer les personnes à côté de moi qui ont vécu des choses identiques ou qui vont vivre des choses identiques et qui pourront bénéficier de mon changement finalement de conscience sur la chose, sur les choses et sur la vie. Voilà.
Quand je t'entendais, j'avais vraiment cette image que je reprends parfois pour expliquer un petit peu la profondeur par moment du travail thérapeutique, hein, parce que tu l'as dit aussi, si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que je suis descendu gratter de la caillasse gentiment, et je me reconnais bien là-dedans, et je trouve qu'aussi, pour moi, les bons praticiens aujourd'hui sont ceux aussi qui sont allés gratter des cailloux, quoi. Mais l'image que j'avais, c'était cette double spirale. J'aime bien l'idée que plus je descends en profondeur, moi j'appelle ça dans les cryptes, tu vois, les cryptes intérieures, dans mes souffrances, et plus, voilà, tu parles de lumière intérieure qui diffuse, et plus en fait je me guéris, quoi. Et en fait, ça fonctionne en même temps. On monte autant que l'on descend. Je fais ce constat aussi parfois avec un monde qui va très très vite, avec aussi des personnes qui aimeraient en 3 séances d'hypnose régler des problématiques très obscures. Eh bien, en fait, si on ne descend pas assez loin, si on ne va pas aller d'une manière transpersonnelle, recueillir tout ce qui a besoin d'être profondément transformé, eh bien, il y a fort à parier que la personne un jour retournera dans cette problématique-là. Voilà. Pour moi, il faut descendre loin, 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 mais en prenant son temps et avec beaucoup de douceur aussi, hein, pour vraiment vibrer et être lumineux, comme tu dis Voilà, là. c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une civilisation où on aurait tous envie d'avoir une baguette magique et de se dire, ting, tout va bien, et que ça ne se passe pas comme ça. Et c'est vrai que à chaque nouvelle épreuve, bien j'essaie de me dire, j'essaie de faire un petit pas de côté en me disant, il y a quelque chose là qui émerge, qui peut être guéri. Alors, au moment où je le vis, je suis pas dans cet état d'esprit de la sagesse au secours. J'ai envie de gueuler, j'ai envie de tordre le cou de quelqu'un, j'ai envie de lui faire bouffer le pissenlit par la racine. C'est la basque qui parle. Voilà. Alors, je vais dans la nature puisque j'ai de la nature autour de moi. Je crie un bon coup. Ouais, machin, dégueulasse. Hein? Bon, ça évacue les choses, première étape. Ouf. Et puis, si j'ai la chance d'avoir un peu d'eau à côté de moi, je vais m'immerger dans l'eau. Ça, c'est le rituel du cahier d'énergie, le premier rituel. C'est Et ça. en me baignant, je vais dire, waouh, l'eau est purificatrice. Tous ceux qui se sont intéressés à l'énergie savent que l'énergie de l'eau coupe. Coupe les problèmes, coupe plein de choses. Et en me baignant, je vais dire, oh là là, merci que toute cette bip s'en aille dans l'eau, disparaisse. Voilà. Et on sort de l'eau, on se sent déjà mieux. Bon, déjà, ça, c'est une première étape. Voilà. Et puis, on va digérer les choses, on va laisser passer un petit peu de temps, on va se reprendre confiance en soi. Et puis, à ce moment-là, maintenant, à ce moment-là, on peut faire ce petit pas de côté en disant, tiens, et si j'avais quelque chose à comprendre de cette épreuve, et s'il y avait quelque chose de cassé à l'intérieur de moi, et s'il y avait quelque chose dont j'avais hérité de ma famille et qui pollue ma vie, qui ne m'appartient pas et dont je peux me libérer. Tiens, voilà qui est intéressant. Ah, mais ça, je le vis de manière très injuste. Et ça se passe au niveau de mon travail. D'accord. Eh bien, je vais chercher dans ma famille qui a vécu de l'injustice, qui a été critiqué de manière injuste. Et hop, et en discutant avec la famille, on va découvrir d'autres choses. Et tout d'un coup, on va se placer, on va placer notre histoire dans la grande histoire de la famille. C'est ça. Il y a des choses qui vont faire jour. Et tout d'un coup, on va se dire, OK. L'éclairage que ça apporte est essentiel. Et Anne Ancelin Schutzenberger, qui a écrit Mes aïeux, qui est un best-seller sur la psychogénéalogie et puis les aspects transgénérationnels, et qui a travaillé dans un hôpital, 20 ans d'études cliniques. Renommée internationale, c'est une grande chercheuse, est allée jusqu'à dire que parfois,
Le seul fait de découvrir que ce que l'on vit est une réplique de ce qu'a déjà vécu Tata Janine ou la grand-mère Jocelyne, eh bien, tout d'un coup, le fait de relier notre vie à quelque chose peut simplement, même sans faire aucun protocole, ni rituel, ni hypnose, ni quoi que ce soit, c'est elle qui le dit. Le simple fait de porter conscience sur un lien entre ce qu'a vécu ma famille et moi peut suffire à changer la donne. Alors, dans d'autres cas, ça ne va pas suffire. Et j'insiste à nouveau en disant que jamais il ne faut prétendre que dans une guérison, quelle qu'elle soit, c'est telle thérapeutique qui a permis de faire ça, et que ça, c'est tout un tas de choses. Il y a certaines personnes qui ont fait plein de thérapies en hypnose, ou qui sont allées voir un psychothérapeute, ou qui ont fait de l'EFT, ou de l'MDR, ou plein d'autres choses, et qui tout d'un coup vont faire un protocole, un rituel, un truc d'hypnose, et ça va guérir, et ils vont être tentés de dire c'est grâce à ça. Non, c'est la totalité des choses qui font que ça va mieux. C'est Si très vous complexe. voulez, c'est très clair, hein. Si vous voulez comprendre cette notion de réplique, parce que je trouve que c'est vraiment un terme qui est chouette, si on avait parlé de mémoire face à Fabrice Midal, vous pouvez retrouver l'interview qui est vraiment super. Enfin, vous êtes délicieux ensemble, en face à face. Ouais, Vraiment ouais, beau. ouais. Fabrice, ouais, ouais. C'est vrai que c'était une chouette interview. Ça a de la gueule, hein. Ouais. J'ai pas de prétention de faire aussi bien, mais c'est vrai que ça a de la classe, en tout cas, et de l'allure. C'est pas mal quand même, c'est pas mal, hein. C'était bon, bien, hein. Je te rends bon point en fin de jeu, en fin de live. On s'en sort pas trop mal. J'ai eu beaucoup de questions par rapport au cahier d'énergie. Alors c'est marrant parce que je l'ai reçu avant l'été et c'est vrai que je m'en suis amusé un peu. À l'instar des cahiers de vacances, tu sais, je pense que c'était un peu le but. Parce qu'à la fois, il y a de la légèreté, en même temps, ça hein, un peu quand même. Hein Mais complètement. En fait, si tu veux, c'est vrai que quand j'ai écrit ce cahier, c'était pas prévu là encore. Eh bien, j'ai pensé à toutes les personnes qui avaient envie de rentrer dans le développement personnel, mais qui voulaient, qui, enfin, l'idée c'était de leur proposer par le biais de jeux, par le biais de petits rituels, de petites choses qui paraissent un peu, comment dire, anodine, un petit jeu, voilà. Et finalement, on découvre des choses. C'est une première étape, on va dire. Donc, ça permet d'avancer. Voilà. Il y a même un truc, tiens, qu'on peut demander. Je pensais à faire quelque chose que j'aime bien. Est-ce qu'on ne demanderait pas aux personnes qui nous écoutent de nous donner trois nombres de 0 à 25 pour un message pour, on va dire, pour la plupart des personnes qui nous écoutent. Alors, on va leur demander, donnez-nous, s'il vous plaît, trois nombres de 0 à 25 au choix correspondant à ce qu'on voudrait. Les messages qu'on pourrait retenir de. Alors attends, il y en a. Alors, 3, 6, 8. Ah, ils sont réactifs, hein, les pépères. Ah bah Alors, attends, on rigole pour. Hein. ouais. Alors, 3, je garde confiance en l'avenir. Pas mal. 6, je cherche la beauté en toute chose. Pas mal aussi. 8, je me calme, j'adore. Bon. Allez, prends-en un autre, Frédéric. On a 2, 7 et 9 pour Sandrine qui est là. Alors, 2, je prends soin de moi en premier lieu. Important. Oula, mes cheveux, je prends soin de moi. Alors, 7, je dis non à ce qui me déplaît. Et 9, je ne critique plus. Tiens, ça, c'est peut-être pour certaines personnes. On taira les noms. Voilà. Allez, un petit dernier.
Un petit dernier, mais c'est totalement au hasard, évidemment, mais il y a... c'est le grand Manitou qui fait ça, hein. Alors, Martine, 17, 15, 23. 17, je dis oui plus souvent. Après, combien tu dis? 15. Oui. J'ouvre les yeux sur mon mal-être. 23, je fais ce que je dis. Vous voyez, donc ça, c'est un petit jeu de loi. Et on propose comme ça, et c'est quelque chose qu'on peut faire plusieurs jours. On demande à quelqu'un, mais ça peut même dans la rue. Moi, je l'ai fait une fois à la FNAC. Je suis allée voir un gars. Et je dis, s'il vous plaît, merci de me donner trois chiffres entre 1 et 25. Et le gars m'a regardé et m'a dit 4, 8 et 12. Ok, merci. Hop, j'ai pris mon livre et je regardais. Voilà, il y a plein de petits jeux comme ça. Alors tu vois, Sandrine instantanément réagit, mais ça me correspond, bah oui, évidemment. Ah, c'est cool. Bon, ben, génial. Non, mais c'est assez troublant. C'est assez troublant. Ah, c'est bien foutu, hein, là-haut, hein. Ça, Oui, tout est c'est juste, comme dirait mon ami Jean-Jacques Charbonnier, tout est juste. Il me fait marrer ouais. à dire ça, mais malheureusement, j'ai du mal à lui opposer cette réalité, que tout était Oh. profondément juste. Mais clairement, clairement, clairement. Alors, Natacha, je t'avais dit que j'allais respecter ton agenda qui est quelque peu rempli, en te disant qu'au bout d'une heure d'émission, je sais que tu... Attends, il y a Aurélie qui merci, idem pour moi, ça lui a parlé aussi, la première. C'est cool. C'est ça. Voilà. C'est J'adore génial. Natacha parce que du coup, elle veut plus partir de cette émission, je le Non, comprends. non, mais écoute, Frédéric, on rajoute la TVA. Donc, si tu veux, 1 heure et quart, avec plaisir. C'est 5-5 sur les bouquins, je crois. Alors, Oh imaginons, Natacha, que ce serait très étonnant que des gens ne te connaissent pas, te découvrent pour la première fois ce soir. ouais, on y en a plein. J'imagine qu'il y en a plein. Moi, entre les mains, j'ai plein de Ouais. bouquins. Voilà. Comment Waouh. qu'on fait? Par quoi on commence, Natacha? Alors, Raconte-moi. je vais faire une réponse à tiroir. Si vous n'avez jamais fait de développement personnel et que vous avez envie de commencer à comprendre des petites choses chez vous et en faire des choses sans vous prendre la tête, en rigolant et voilà, sans vous poser de grosses questions existentielles. Et en vous amusant, vous commencez par mon cahier d'énergie, qui est simple et qu'on peut faire vraiment. Ah ouais, mince. Et qu'on peut faire quand on veut. Il y en a qui le commencent maintenant, qui le feront plus tard. C'est pas lié aux vacances. Ça, on le fait quand on veut. Voilà. Ça, c'est pour les personnes qui n'ont jamais fait de développement personnel et qui veulent débuter sans se prendre la tête. Ensuite. Les rituels, c'est puissant quand même, hein. On peut préciser que c'est un Oui. jeu, mais derrière, ça carbure. Bon, super. Écoute, c'est Hein. toi qui Oui, dis. Génial. c'est Ouais. bon. Pour moi, je trouve ça très, très soft par rapport à d'autres. Mais OK, très bien. Ensuite, pour les personnes qui sont cartésiennes, qui sont ouvertes et qui veulent comprendre comment fonctionnent les pertes d'énergie suite à des épreuves, comment fonctionnent les pertes d'énergie suite à des déstabilisations de notre entourage, les parents, les ex, les collègues, un prof, n'importe qui. Et puis pour comprendre les héritages transgénérationnels dont on a parlé, la clé de votre énergie. Parce que là, il y a tout et on va pouvoir comprendre, voilà, comment ça se passe. Et là, moi, ce que je recommande, c'est de lire le livre en entier et de mettre les petits post-it comme Frédéric a fait. C'est quand même un très bon élève. Moi, je dis bravo à sa femme aussi, C'est je ça, c'est sais. ma femme, hein, parce qu'il a fallu que je lui arrache avant de partir de la maison, parce que je j'avais pas avoir D'accord, ok. Voilà, donc on lit le livre en entier, tranquille ou pépère. On peut faire des choses et tout ça, mais on commence les protocoles 5 et 6, qui sont les recouvrements d'âme. C'est mieux de le faire à la fin du livre, une fois qu'on a fini. Les autres, on peut les faire quand on veut. Bon. Pour les personnes qui sont déjà familières de l'énergie, qui sont déjà en travail sur le développement personnel, sur leur propre développement, qui ont déjà commencé à faire un travail sur elles-mêmes. Moi, je conseille directement d'aller à Trouver ma place, qui, on ne le dirait pas, est beaucoup plus dense. Il fait 600 000 signes alors que l'autre n'en fait que 350 000. Il écrit un peu plus petit. Et en fait, il est beaucoup plus guidant
beaucoup plus aidant. Il y a des thématiques différentes, le travail, l'amour, la famille, voilà, comment je fais pour me faire respecter, comment j'évite le burn-out, comment je fais pour aider quelqu'un. Il y a des choses sur les phobies, il y a des, bon, voilà, comment je fais pour être, sortir de la colère, pour trouver mon lieu idéal. Et là, j'explique, c'est en tenant compte de vos questions que vous m'avez posées suite à la lecture de La clé de votre énergie, que j'ai écrit Trouver ma place, qui n'était pas prévu lui non plus. Et donc là, je dis, voilà, commencez par tel protocole, posez-vous cette question, faites celui-là, attendez, cherchez ça, trouvez ça, faites ça. Et il est vraiment plus pratique, plus pragmatique. Et c'est même pour les thérapeutes, c'est quelque chose qui est beaucoup, beaucoup plus aidant. Voilà. Donc, pour les personnes qui ont déjà entamé, commencez par trouver ma place, enfin, allez directement à trouver ma place, c'est pas plus mal. Et pour les personnes qui ne veulent pas travailler sur eux, mais qui sentent bien qu'il y a un petit machin à l'intérieur d'eux et qui aiment bien bouquiner, ben les polars, voilà, les polars, parce que là, il y a des choses qui vont se faire presque malgré nous et qui, on va comprendre des choses ou pas. Si c'est pas le moment, le bon moment, on va avoir quelque chose de l'ordre du suspense. Moi, je me suis rapprochée de la crime, de la police judiciaire. Les choses, elles sont extrêmement étayées et validées par un major exceptionnel de police judiciaire. Et voilà, avec des armes du crime assez étonnantes, toutes axées sur des choses réelles, mais qu'on n'imagine pas et qu'on voit pas venir. Voilà, est-ce que j'ai bien répondu à ta question, cher Frédéric? Ouais, non, franchement, c'est super. Mais moi, ça m'a reclarifié. Décidément, ce sera un des mots de ce soir. Reclarifier les choses, mais ça fait jamais de mal. Alors, les polars, il y a quand même un petit ordre, mine de rien. Je Ouais. crois que je les ai mis dans l'ordre, d'ailleurs, hein, il me semble bien. Non, Non? non, cher ami, non. Ah bah mince, alors. Alors, le premier, c'est le testament des abeilles. Ah oui. Effectivement, l'ordre, il est important. Alors, chaque livre se lit de manière autonome. Ouais, voilà. Mais parce qu'il y a une histoire d'amour, parce qu'il y a une histoire il y a un vrai suspense par rapport à la mort du père de Johan Clival, du héros, et qui permet enfin, qui évolue avec le temps. C'est-à-dire que c'était drôle d'ailleurs ça. Dans le testament des abeilles, j'étais en promotion à l'époque, il y a longtemps, c'était en 2011, là, pour le moment où il est sorti. Jacques Pradel m'interview, il fait venir un commissaire divisionnaire, et puis il dit vous avez trouvé qui a tué le père du héros, parce que le livre se termine, le 1, le testament des abeilles, on ne sait pas qui. Il dit oui, bien sûr, c'est ça, etc. Et en fait, tous les potes flics que j'ai, des amis, ils se sont tous plantés. Mais absolument tous, 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 tous. Il y a une phrase dans le livre qui permet de comprendre qui, mais il y en a une. Donc si on ne la voit pas. Ensuite, le deuxième, c'est le voile des apparences. Donc c'est celui que tu avais mis en Ça, c'est ça, là. ouais. Voilà, celui-ci. Ça, celui-là, c'est le deuxième. Et là, on va découvrir, waouh, notamment qui a tué le père. Voilà. Et dans Les racines du sang, qui est le troisième, on va se rendre compte, là, il y a un twist. Waouh! Un rebondissement terrible, ce qu'on croyait n'est plus. Et dans le dernier, le quatrième, les blessures du silence, on aborde plus de ces questions, mais par contre, autour de l'histoire d'amour de Johan Clival, il y a un dénouement. Voilà. Donc c'est vrai que c'est mieux de le lire dans ce sens-là, mais j'ai plein, plein de gens qui l'ont découvert, comme toi, avec les blessures du silence, et qui sont mis à lire les autres après, ça n'a pas d'intérêt. Oui, c'est pas indispensable, mais c'est vrai que quand les a tous lus, ben, on se rend bien compte qu'il y a quand même un fil conducteur. J'ai beaucoup de questions, hein, qui arrivent autour de quand est-ce qu'on va retrouver notre héros? Est-ce que Ouais, la pauvre. c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui me disent, ah, Johan Clival, je me fais engueuler. Vous avez raison. Alors, c'est vrai que je vais vous faire une petite confidence, c'est que j'en perds mes lunettes, c'est Ça. que j'étais partie pour écrire le roman, et puis c'est Stéphane, mon mari, qui m'a dit. Et si tu écrivais un livre scientifique qui donne la parole à des experts du monde médical pour justement aborder ces questions de médecine non conventionnelle, mais avec un regard curieux et en tout cas scientifique. Et je trouvais l'idée tellement géniale, j'ai tout abandonné. Et alors que j'étais partie, j'ai fini le plan du livre, du roman, prochain roman, hop, je suis partie sur ce livre à partir du mois de juin.
C'est pour ça que je ne suis pas partie en vacances et que j'ai écrit tout l'été et que je vais écrire jusqu'en décembre pour le finir et pour qu'il sorte début 2023. Mais après, j'écrirai le roman et il reviendra, vous inquiétez pas. J'ai hâte de le retrouver. Il pousse un peu, il m'engueule dans l'oreille très souvent. Eh oh, Natacha! Enfin, même il dit, eh oh, Calestre aimé, ça suffit, hein, maintenant, quand est-ce que tu peux revenir? Ah ouais, il me parle comme ça. Ça rend un peu schizophrène hein, cette histoire quand même. Complètement, mais je revendique complètement ma schizophrénie. Et ta créativité surtout, parce que les... c'est peut-être des ventes. Au pire, c'est schizoïde, mais ça permet aussi d'avoir beaucoup beaucoup de créativité, quoi. Oui. J'ai des questions autour aussi, et puis là, la TVA, je l'ai bientôt consommée, l'extension de TVA. Où est-ce qu'on trouve tes bouquins? Alors moi, j'adore ces questions-là parce qu'en fait, à chaque fois que je vais dans une librairie, je ne vois que Natacha Calestrémé partout en tête de gondole. Et moi, il faut que je me mette à quatre pattes pour essayer de trouver mon bouquin planqué au fin fond. Écoute, si ça peut te rassurer, j'ai beaucoup connu ça. J'ai beaucoup connu ça où j'arrivais dans les librairies, les Leclerc culturels, les Cultura, C'est ça, les Fnac et tout ça, en me disant, oh là là, ils sont pas là. Alors j'arrivais, je dis, est-ce que vous avez le livre de Natacha Calestremeux? Genre, c'est pas moi. Ah non, 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 oh non, on n'en a plus, non, on n'en a plus. Donc si ça peut te rassurer, la roue tourne. ça. J'ai beaucoup connu, j'ai beaucoup connu. Je t'imagine, tu fais beaucoup rire. Je sais pas à toi que j'ai fait ça, mais je crois quand même que j'ai dû. Je sais plus à qui j'ai poussé un peu ces bouquins en tête des gondoles pour mettre le mien à côté. Ah, et puis alors en fait, j'ai une cousine à Pau, elle est extraordinaire. Chaque fois qu'elle arrivait à la Fnac, elle récupérait un livre, parce qu'il n'y en avait qu'un. Et puis elle le mettait en numéro un, tu sais, les ventes, meilleures ventes. Ça, elle le prenait en photo, et elle m'envoyait, elle me disait, au bout d'un quart d'heure, j'ai les mecs qui me disaient, oui, non, c'est pas bien, il ne faut pas le faire et tout. Puis dès qu'il avait tourné le dos, hop, je le remettais en un. Elle m'a beaucoup fait rire pendant longtemps, ça me gratifiait, j'étais très heureuse. Ouais. Ouais, ça fait du bien. Vive les cousines. C'est ça. Et puis, tu vois, finalement, aujourd'hui, il n'y a plus besoin de tout ça. Ben Mais oui, peut-être qu'elle a contribué quelque c'est part grâce dans à elle, je suis sûre que c'est grâce à elle. la Ah, super. En tout cas, Natacha, je te remercie vraiment du fond du cœur. À la fois, j'ai vu aussi beaucoup ces mots générosité qui revenaient, sincérité pour te caractériser. On le Merci. voit encore une fois là. La thématique des rituels énergétiques, tu vois, c'est toi qui as repris en main cette partie-là pour partager, et je ne suis que peu surpris, trois beaux exercices que vous allez pouvoir retrouver bien sûr en replay, puisque ce live-là va rejoindre ceux qui sont déjà présents sur YouTube. Et je vous encourage évidemment à reprendre ces informations-là parce qu'on est allé un petit peu vite. Ah, Isabelle Cotte, Sylvie Arnoux qui me font des petits cœurs. Ce sont des personnes qui me suivent que j'aime beaucoup. Voilà, Ah, on va les mettre à l'écran, c'est beau. c'est chouette. Oh, C'est extra. vrai que c'est bon, hein, c'est très nourricier aussi, hein, tous Non, ces histoires. moi, je suis pas grand-chose sans ces personnes, sans vous tous. Je suis pas grand-chose parce que ça me nourrit énormément. Ça me donne beaucoup de courage. Ça me dit que je suis sur mon chemin, que je me trompe pas trop. Bien sûr, je fais des erreurs comme tout le monde, mais merci à vous. Et je vous le dis vraiment sincèrement, merci à Frédéric parce que de m'inviter voilà, dans sa communauté, ça me touche beaucoup. Et puis merci à vous tous parce que vous êtes formidables, vous partagez avec beaucoup de bienveillance votre expérience. Et merci parce que c'est très aidant et je ne serais pas grand-chose sans vous. Vraiment. En tout cas, bah, j'étais très honoré de te recevoir ici. Vraiment, hein, c'est beaucoup d'honneur pour moi. Et puis, encore une fois, de sentir et de voir à travers tous ces échanges, parce que je vois aussi des noms que je connais depuis très longtemps, de voir ce mélange de communautés comme ça qui vont continuer à être dans ce partage. Moi, c'est ce qui me nourrit profondément. Merci à tous, hein, les voyageurs et les voyageuses, d'avoir été là ce soir. De gros bisous à la communauté de Natacha qui m'a fait l'honneur de venir ici aussi sur cette chaîne. Natacha, merci, hein. Merci encore et puis ben, c'était un très bon moment, très agréable. Merci à vous tous, merci à toi Frédéric avant tout et puis ben, très bientôt.
Avec beaucoup de joie. Passez une très belle soirée, les amis. 22h15, on est bon, Natacha. On est Ouais, on très est très très bon. Tiens, j'en profite pour donner un petit rendez-vous pour le prochain lundi soir espoir. Je crois que ce sera le 3 octobre, c'est le premier lundi du mois à 20h15. C'est ça. Merci beaucoup, hein, à bientôt. Merci. Au revoir.